Bonjour tout le monde, ici The Legendary Kid. Il y a une affaire par contre qui me surprend sur Naruto Gekito Ninja Taizen 4. C'est que, comment expliquer ça? Tu sais, oui, on a plusieurs modes mission, mais concernant les missions en général, j'en ai environ peut-être 300 ou quelque chose du genre. Puis Sakura elle débloque pas tout le temps les nombres d'émissions comment que tu peux en avoir fait que c'est pas tout le temps qu'elle fait des pop-up, mais d'une manière c'est que c'est au hasard, tu sais, des fois peu importe, c'est tellement au hasard, mais à fur et à mesure que tu fais ce glitch là, c'est clair que tu vas avoir plein de missions à ta portée. Alors le secret que je vous donne concernant ceci, bien sûr, premièrement, termine la première partie du story mode du jeu en tant que tel. Mon secret pour ça, oui, peut-être faites un petit peu de combat dans le score attack, survival, ben c'est ça. T'sais, je dis ça en anglais là, parce que moi je suis habitué à jouer à des jeux tellement anglais là, personnellement, même si je suis français québécois. Mais de la manière à dire, c'est ça. Underscore Attack, Survival, Orba, ben je veux dire, le Shadow Mode, ça je l'ai pas encore, ça faut que je le débloque en ayant débloqué, ben je veux dire, en ayant joué 20 fois Survival. T'as le Time Attack, je pense que c'est ça que j'avais oublié. Faites-en un peu, mais ça change pas grand chose parce que moi là, je vais vous montrer mon secret, ok? Ok. Fait que. Là, pour commencer, on fait ça. Et là, c'est au hasard, là, comme c'est là, une mission apparaît. T'sais, ils vont te le proposer. Moi, je fais non parce que moi, je veux pas le faire tout de suite, là. Là, tu refais ça à chaque fois, jusqu'à ce qu'exemple, réapparaisse une mission. T'sais, comme là. T'sais, là. Fait que. Elle va dire un peu la même petite affaire en japonais. Mais pas grave, Sakura, c'est une bonne personnage dans Naruto. Elle est importante, mais malgré tout, parce que c'est une ninja médicale. Anyway, je parlerai pas trop des détails. Moi, anyway, je ferai pas l'émission tout de suite. Anyway, je ferai pas l'émission tout de suite. Désolé, elle me coupe la parole. Mais tu sais, je ferai pas l'émission tout de suite. La raison, c'est parce que en même temps, je veux aussi me concentrer à vous montrer un petit peu de la manière comment je faisais. C'est là je l'ai fait plusieurs fois, puis là ça apparaît de quoi. Des fois ça peut être long, juste vous prévenir là. Mais au début je comprenais pas, moi je pensais que c'était une mission qu'il fallait que je refasse à chaque fois. Comme tu peux voir, dans le rancé j'en ai en 6 bols. Je peux pas vous tout vous les dire, il y en a que je comprends quand même, c'est au niveau de pas utiliser chakra, etc. 4 joueurs comme vous voyez là. C'est pour l'émission de rang C, rang B, rang A. Mais rang S je ne l'ai pas encore parce que peut-être qu'il faut que je termine le rang A pour exécuter au rang S. Puis il n'y a pas avec ça, il y a des personnages que j'ai pas tout débloqué. Puis en ayant toutes ces missions, ça me permet de les débloquer plus facilement. Là, j'en ai peut-être débloqué peut-être environ 200, puis je m'en rappelle presque plus, là. Fait que voilà mon petit secret derrière tout ça. Cette petite astuce glitch. Tu sais, c'est pas nécessairement un code ou etc. à faire, parce que ça fait partie du jeu, tu sais. Puis elle propose à l'occasion. Des fois, ils peuvent apparaître en 3 coups, ça dépend. Comme là, ce coup-là, il est un peu plus long. Mais à un moment donné, écoute, ça va dépendre. T'sais, là, c'est long en sacrament, là, excusez-moi. Peut-être que c'était le dernier, j'en ai aucune espèce d'idée, parce que des fois, ils te l'apparaissent n'importe quand. Bon, anyway. Des fois, les glitches, personnellement, soit en fermant ton jeu, tu rejoues, puis t'essayes ça, anyway. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais, faut pas déprimer, parce que d'un autre bord, le glitch marche
va toujours marcher. Fait que faites attention à vous autres. Aimez la vidéo si vous avez aimé, bien sûr, partagez, etc. C'est un bon conseil que je vous donne concernant si vous voulez, exemple, accélérer votre jeu puis avoir à peu près tous les personnages. Oui, il va peut-être en manquer trois pour les débloquer au rang S comme Kizame, Hinata ou qui d'autre. Non, pas Hinata, excusez. Pardonnez-moi, désolé. Kizame, Kabuto, excusez. Naruto version Renard, là. C'est à peu près ça. Pour moi, écoute, les autres personnages, c'est écœurant. Comme t'en as 39, je pense, bel et bien au total. Disons que c'est un jeu. Tu sais, oui, au début, je disais peut-être que c'était comme un troll, une mission, etc. C'est long, ça fait perdre du temps. Mais d'un autre bord, quand t'apprends une glitch, ça devient plus facile à la fin. Fait que, ouais, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, ben, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, commentez. Si vous avez des questions, etc. Si vous avez un problème sur quoi que ce soit, que ce soit dans ce jeu, ou etc. Je vais faire du mieux que je peux, bien sûr, parce que moi, écoute, oui, je sais bien que ça fait un bout que j'ai joué à ce jeu-là. Mais, pour moi, ce Gekito Ninja Taizen 4, celui-là, pour moi, c'est mon best Naruto ever. Oui, t'as peut-être plus de magasin, mais d'un autre bord, t'sais, j'ai peut-être pas essayé le précédent, excepté j'ai essayé Clash of Ninja 2, c'est une version européenne, bien sûr. Mais ça change rien, parce que ce jeu-là, pour moi, ben, ça fait partie des meilleurs jeux de tous les temps. Et non en devançant d'autres jeux comme je joue, exemple Sonic Adventure 2 ou l'autre jeu c'était quoi, Real Sensibility. Fait qu'en gros, c'était bien et bien ça. Fait que c'était The Legendary Kid et qui vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée ou peu importe, ben, soyez